celui-là. Vous avez le diapo? Oui, sous l'ordi. Et c'était en Asie. Je t'ai mis, oui. Ok, merci. Bien, bonjour, si tout le monde est présent, je ne sais pas parce que je n'ai pas de retour, mais je vais le présumer. Donc, commencer le cours d'aujourd'hui, donc le troisième du nom, parce que je n'étais pas là la semaine dernière. Je vous précise que j'ai mis les diaporamas, j'avais oublié la dernière fois, mais j'ai mis les diaporamas sur la page cursus, donc vous pouvez trouver ça dessus, et qui sont ceux que je vous présente pour chaque cours. Je les mets au fur et à mesure, parce que je peux être amené à les faire évoluer au fur et à mesure du cours. Donc voilà, le cours d'aujourd'hui, je vais continuer ce que j'ai entamé la dernière fois, c'est-à-dire de passer en revue un certain nombre de formes de délits, de délinquance, de criminalité en revue, pour essayer de mettre en opération le principe que je vous ai transmis de sociologie de ces formes de déviance et de criminalité, qui est donc de les étudier dans leur contexte, c'est-à-dire un contexte qui est fait à la fois de la logique des auteurs, mais aussi de celle des victimes, et de celle de l'environnement, et de celle de la situation de l'acte entre les personnes concernées, et aussi, et ce n'est pas secondaire, celle de la réponse qui est apportée par les institutions, puisque donc cela joue dans le, non pas forcément dans la transgression elle-même, mais dans la manière dont elle est saisie socialement, sociologiquement. Voilà, alors quelques mots donc sur la question des violences, et qui constitue un vaste spectre qui vont de tout ce qui concerne des coups ordinaires, des gifles ou quoi que ce soit, jusqu'au meurtre, finalement, en passant par des agressions, des actes de torture, ça arrive parfois, des gens torturent d'autres pour leur soutirer de l'argent, et tout ce que l'on voudra comme forme de coups et blessures plus ou moins graves, que vous pouvez imaginer. En revanche, j'exclus ici de cet ensemble à la fois les agressions sexuelles, enfin les violences sexuelles, parce qu'on les verra séparément, et qui participent d'une logique assez différente, me semble-t-il. Et puis des violences contre les biens, qui relèvent donc de la logique de transgression contre les biens, mais qui sont parfois, dans certains travaux, y compris sociologiques, considérés comme des formes de violence. Hein. J'ai même lu que les tags étaient de la violence, donc moi ça me pose question, mais toujours est-il que je ne les inclus pas là-dedans, puisque les violences, il s'agit bien de violences entre personnes physiques, qui peuvent être à deux, à trois, ou à parfois beaucoup plus, comme on le voit dans un certain nombre de manifestations. Alors, autre distinguo à introduire, et on les verra l'un après l'autre. D'une part, donc les violences qui s'expriment dans l'espace public, et d'autres dans l'espace privé. Alors, il n'y a pas évidemment de différence de nature entre les deux, parce qu'une violence, c'est une violence. Un coup de poing, c'est un coup de poing. Un coup de couteau, pareil. Bon, la différence, elle relève même pas finalement de la logique des auteurs, encore que on pourrait en envisager l'hypothèse, mais on verra des réponses
qui sont apportées par le par l'institution et de la manière dont les victimes les considèrent. Donc c'est là qu'il y a un clivage qui s'opère et qui donne lieu donc à des contextes significativement différents, et c'est pour ça que je veux les traiter différemment. Donc pour entrer dans le détail d'un certain nombre de possibilités, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste quelques exemples pour vous donner, enfin qui correspondent à des réalités assez courantes, pour vous donner une perspective sur les différents types de situations compte tenu de leur contexte et donc de comment on peut interpréter sociologiquement ces différentes situations de transgression et de criminalité. Donc des coups et blessures dans l'espace public, des bagarres, et qui donnent lieu à toutes sortes de, enfin, de toutes sortes de d'altercations de gens plus ou moins sous l'emprise de l'alcool ou d'autres produits, donc des automobilistes pour une place de stationnement ou pour une queue de poisson, et les rivalités, les rixes dans des bars ou des discothèques, qui sont souvent liés à des conflits qui très circonstanciels, c'est-à-dire que c'est la situation qui crée le conflit et qui va faire qu'on passe à l'acte, hein, qu'on passe à l'acte physique, c'est-à-dire à la violence physique au-delà des mots. Et donc la plupart des cas, ces situations sont liées à des conflits entre personnes qui ne se connaissent pas. Une espèce de malentendu qui part en vrille, là, comme on dit, et qui peut devenir extrêmement violente. Hein. On a des situations qui débouchent sur des meurtres ou des homicides involontaires, parce que un coup de poing, une bousculade, et il y en a un qui tombe sur un pavé et qui meurt d'un traumatisme crânien. Mais voilà, ce qui est intéressant ici, ce sont vraiment les circonstances qui créent la situation de violence, qui est souvent de courte durée, c'est-à-dire qu'une fois que les gens se sont bagarrés, bon, ben, c'est terminé, chacun repart de son côté. Parfois, il y a, dans certaines circonstances, des effets de vengeance, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va chercher ses copains et ça finit un peu en bagarre générale. Mais, c'est de courte durée et c'est considéré comme relevant d'un désordre public mineur. C'est pas moi qui le dis, c'est à la fois ceux qui participent, c'est-à-dire que quand il y a une bagarre, finalement, dans bien des cas, les protagonistes ne portent pas plainte parce qu'ils s'estiment tous les deux à la fois responsables et victimes. Ou si on a les deux qui portent plainte, eh bien, on va pouvoir, enfin, ceux qui vont intervenir, la police ou autre, vont les renvoyer un peu dos à dos s'ils ont échangé des coups. Alors, s'il y a homicide ou des coups extrêmement graves, un coma, etc., là, c'est autre chose, puisqu'on va passer sur la gravité du crime lui-même. Mais en termes de désordre public, il y a non pas une tolérance, mais c'est pas considéré comme quelque chose qui mérite des sanctions très lourdes. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, si vous regardez les films, un peu moins depuis une vingtaine d'années, mais au XXe siècle, il y avait toujours des bagarres incroyables dans les films, avec des trucs extrêmement violents, et qu'on trouvait à la limite du rigolo. Hein. D'ailleurs, des films comiques où on se donne des coups de boule et des coups de poing, ou des, voilà, et c'est comique. Donc il y a une espèce de tolérance vis-à-vis de ça qui est de moins en moins vraie, mais on présume que les protagonistes sont consentants, en quelque sorte, à s'échanger et des coups. Ce qui est différent lorsqu'il y a plusieurs qui s'acharnent sur une personne pour des raisons diverses et variées, y compris pour un conflit indifférent. Et là, on est plutôt dans une agression collective, et c'est autre chose. Il faut prendre en compte donc les attaques à main armée, même si elles sont de plus en plus rares, hein, mais donc souvent avant elles avaient lieu auprès de commerces, de banques, il y en a toujours, avec un revolver vrai ou faux. Enfin, avec les banques c'était plus compliqué, c'est vraiment
l'attaque de banque, qui devient très compliquée aujourd'hui, surtout qu'il n'y a pas d'argent à la clé, des bureaux de poste. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus dans la rue. C'est-à-dire qu'on va agresser quelqu'un avec un couteau, lui mettre un couteau sous la gorge pour qu'il donne son portefeuille, son portable, etc. Et puis, il y a cette situation que j'évoquais tout à l'heure, de torture sur des personnes plus ou moins vulnérables, des personnes âgées, par exemple, ou des personnes handicapées, pour leur extorquer de l'argent. Avec cette idée qu'ils ont sûrement des lingots d'or sous le matelas. Et donc, là, c'est clairement des violences qui ont une visée liée au bien, au fait de gagner de l'argent grâce à ces violences. Et le but n'est pas la violence en soi, mais c'est quelque chose qui va être réprimé très fortement parce que, bien souvent, il y a menace sur la vie et la victime n'est pas du tout considérée comme consentante. Donc on estime que le trouble à l'ordre public est très fort. Et donc là, les sanctions sont relativement fortes. Une attaque à main armée, notamment avec une arme à feu, peut conduire à la cour d'assises, hein, c'est-à-dire un crime passible de 20 ans de prison. Alors, autre type de violence qu'on peut rencontrer et qui relève d'un contexte et d'une logique différente et propre, ce sont les combats de rue où il y a souvent plusieurs dizaines de protagonistes des deux côtés, qu'on a appelé pendant longtemps hooliganisme, et parce que ça se trouvait autour des stades de foot et des matchs de foot. C'était pas très courant en France, il y en a eu quelques exemples, mais c'était très courant donc, en Angleterre, en Allemagne et dans d'autres pays du Nord où les bagarres comme ça entre supporters est une espèce de tradition. Il vient redoubler le match de foot. Donc ça a été considérablement combattu dans ces pays. Et là où il y a eu notamment un événement assez grave, enfin très très grave, à la fin des années 80, puisque la finale de la Coupe d'Europe des champions s'est terminée, a commencé avant le match par une bagarre générale dans le stade du Heysel à Bruxelles. C'était entre Liverpool et la Juventus, qui étaient les deux grosses équipes de l'époque. Parce que les gens n'ont pas pu, il y a eu des mouvements de foule, les gens n'ont pas pu s'échapper, il y a eu plus de 30 morts, je crois, écrasés contre les grilles, c'était épouvantable, et le match a eu lieu quand même après. Enfin, ça a marqué les esprits, et donc, à partir de cet instant, le hooliganisme envers lequel il y avait une certaine tolérance, ou en tout cas, on ne mettait pas les moyens pour le faire cesser, eh bien, on a mis les moyens, surtout en Angleterre, pour le faire cesser. Et en France, plus tard, parce qu'il y a eu pas mal de choses autour du Paris Saint-Germain. Et donc, c'est ce type de violence, hein, extrêmement violent, avec des coups violents, enfin, des fléchettes, des toutes sortes de choses. Mais entre deux gens qui... pas qu'ils aimaient ça, mais enfin, pratiquement, qui trouvaient un certain sens. Mais il faut y avoir des victimes collatérales, comme on dit. Et maintenant, on le retrouve, ce genre de violence, dans des défis entre jeunes, sont souvent des jeunes garçons, on oublie de dire, hein, de jeunes garçons de certains quartiers qui défendent l'identité de leur quartier, et pour des raisons plus ou moins obscures, qui, à un moment donné, se rencontrent pour s'affronter, parfois très violemment, parfois ça donne lieu donc à des vengeances où il y en a 4 ou 5 qui tombent sur un seul, comme il y a eu le cas récemment avec un décès à la clé, hein, ce qui est donc absolument dramatique. Et donc voilà, c'est lié à des défenses d'identité collective, de quartier, alors parfois de territoire, de trafic de drogue ou autre, mais c'est pas que ça. Et les bagarres qu'il peut y avoir avec la police, parfois, hein, dans certains quartiers, relèvent un peu de la même logique. Et donc ça, tout ça est devenu extrêmement craint par les pouvoirs publics, parce que on le voit dans les médias, ça affole le public. Il y a ce qu'on appelle une
panique morale dans le public et surtout celui qui habite à proximité. Et donc, on va le réprimer de façon extrêmement sévère avec cette difficulté qu'il faut arrêter bon, tous les protagonistes et qui ne sont pas faciles à identifier. C'est ce qui explique parfois la multiplication des caméras de surveillance dans certains espaces pour pouvoir identifier les auteurs de ces bagarres générales. Et donc, on y apporte une réponse de plus en plus sévère, et parce qu'on estime que c'est un désordre public important, même si parfois il n'y a pas vraiment... On vous dit à la télé qu'il y a des battes de baseball, des barres de fer et je ne sais quelle chose violente, mais en réalité, personne ne finit à l'hôpital. Donc il y a une façon, une manière de brandir des armes pour se faire peur les uns aux autres, mais sans qu'il y ait forcément de conséquences graves. Hein. Et c'est un peu comme les bagarres dans l'espace public, sauf que les bagarres, c'est 2-3 personnes, donc ça a une dimension privée. Ici, ça acquiert une dimension publique. Et voilà. Donc, il y a un type de réponse assez sévère dans le contrôle et dans la pénalisation, dans la sanction. Autre chose, autre logique dont on voit bien qu'elle est différente, ce sont les violences qui ont une dimension politique, où on défend une idéologie, un point de vue, et qui, dans le cadre de manifestations. Alors, comme ce cours est assez ancien, j'ai marqué les cas des manifestations qui ont lieu à Rennes contre la loi sur le travail, hein, mais en 2016, parce que ça a donné lieu à des affrontements assez violents, avec cassage de vitrines et affrontements avec des policiers. Mais depuis, évidemment, il y a eu les gilets jaunes, ce qui est une situation un peu particulière, parce qu'il n'y avait pas vraiment une idéologie politique, il n'y a pas vraiment des syndicats, il n'y a pas vraiment... Bon, en revanche, il y a différents types de revendications, pas toutes très lisibles ou pas très cohérentes non plus. Toujours est-il que ça a donné lieu à des violences assez fortes dans l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et toute la question ici et de ces violences politiques se situe dans l'affrontement avec les forces de l'ordre. C'est un peu simpliste de dire c'est la police qui attaque, etc. C'est pas la question pour le sociologue de qui est responsable, qui a commencé. Il est clair que les Black Blocs sont dans une logique de violence, pas forcément contre les personnes, mais contre les biens, souvent, et que la police tente de les arrêter, et que donc les Black Blocs, de toute façon, sont contre la police, et donc tout ça part dans une dynamique de réponse l'un à l'autre, et qui peut aller dans une extrême violence. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas que des Black Blocs, puisqu'il y a des gilets jaunes qui sont entrés en conflit violent avec la police, qui les empêchait de manifester parce qu'ils n'avaient pas d'autorisation à manifester. Voilà, c'est une situation très particulière, mais en même temps, toutes ces questions de manifestations violentes a toujours existé et donné lieu souvent à des choses parfois assez dramatiques. Hein. Les événements en 1994 à Rennes, où les pêcheurs étaient venus revendiquer à Rennes, les pêcheurs... pas les pêcheurs à la ligne, hein, les pêcheurs, les marins pêcheurs, et ils étaient assez violents, et ils ont tiré avec leur fusée de secours sur les CRS, enfin bon, ce qui a donné lieu à l'incendie du palais de justice, d'ailleurs, de Rennes. Et bref, et on peut remonter dans le temps jusqu'au 19e siècle, ça a toujours existé. Donc c'est un contexte spécifique, et qui peut basculer parfois vers du terrorisme. Alors, le terrorisme, c'est une forme différente de violence politique qui a le même contexte, mais qui ne se passe pas dans des affrontements de rue avec les autorités, donc la police ou les forces de l'ordre, mais on vise des personnes en particulier, en posant des bombes ou en assassinant. Donc le cas le plus célèbre que j'indique là, c'est l'assassinat du préfet de Corse
par les indépendantistes corses en 1998, et qui était l'un des sommets des actes de terrorisme, parce qu'on parle beaucoup du terrorisme islamiste, et depuis les années 2000. Mais avant, il y avait un terrorisme d'un autre genre qui existait. Cet acte a été un peu le dernier grand acte terroriste indépendantiste en France. Mais il y avait eu, y compris chez les Bretons, des actes terroristes de ce type, pas forcément d'assassinats, mais de bombes sur des antennes, etc., dans les années 70. Et puis il y a eu des assassinats politiques, notamment en Italie et en Allemagne, contre des grands patrons dans les années 70 et 80, et y compris en France d'ailleurs, avec le groupuscule qui s'appelait Action Directe, l'ultra-gauche, et qui avait assassiné un patron. Voilà, donc ce type de violence est considéré, c'est ça qui est important, de par son contexte politique et sa logique politique, qu'elle soit d'ailleurs d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou ni l'un ni l'autre, hein, les gilets jaunes c'est ni l'un ni l'autre, les deux à la fois, et réprimé très fortement, non seulement par la police évidemment, quand elle cherche à contrôler les manifestations, mais aussi par les tribunaux, parce que c'est une menace contre l'État. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que les institutions considèrent que le crime plus important, c'est pas forcément qu'il y ait des victimes de ces violences. Et c'est le problème, c'est-à-dire que il y en a qui ont été victimes très gravement des policiers avec les fameux balles, etc., en caoutchouc, tout ce qui va avec. Mais ce qui est le plus important, c'est le fait d'avoir mis les institutions en péril. Et donc ceux qui, pendant les Gilets jaunes, ont attaqué un ministère avec une pelleteuse, ou enfin je ne sais plus quel engin de chantier, eh bien, ont été très lourdement condamnés. Et souvent, les manifestants qui sont entrés dans des violences, ou en tout cas dans des affrontements avec la police, y compris après les émeutes de 2016 à Rennes, ont été très lourdement condamnés par les tribunaux, parce que on estime que c'est l'État qui est menacé. Ouais, donc vous voyez que ces différentes formes de violence ont chacune leur propre logique, et que c'est ça qu'il faut étudier si on s'intéresse à telle ou telle forme de délinquance violente, en l'occurrence. Autre dimension pour les violences qu'il faut prendre en compte et qui ne sont pas anecdotiques, secondaires, ce sont les violences qui ont lieu dans l'espace privé. Parce que les violences dans l'espace public, on en parle beaucoup, parce qu'elles sont dans l'espace public, parce qu'elles font peur au public, parce que les médias les relaient, etc., etc. Mais on a plus de chances de subir des violences dans son propre, dans sa maison, que dans la rue. Ça, il faut le savoir, et c'est un constat statistique. C'est pas une impression, c'est un constat statistique. C'est de la même manière que on parle beaucoup des accidents de la route, mais les accidents domestiques font plus de morts que les accidents de la route, avec des chaudières qui explosent, des enfants qui boivent des produits ménagers, etc. Et bien, c'est la même chose. La maison est dangereuse par rapport aux violences commises par des personnes. Donc, on les appelle violences domestiques ou violences conjugales. En France, on les appelle de conjugales, parce qu'on n'intègre pas dedans les violences vis-à-vis des enfants. Dans les pays anglo-américains, on appelle plutôt ça domestic violence, violences domestiques, parce qu'on y inclut les enfants, puisque les enfants sont parfois victimes de leurs parents. Mais de violence, hein. Je ne parle pas des violences sexuelles parce que je les exclus, comme je vous ai dit, pour l'instant. Mais il y a aussi, ça paraît bizarre, mais des enfants qui agressent leurs parents et pour leur soutirer de l'argent, etc. Parce qu'il y a des parents qui sont faibles. Et quand je dis les enfants, ce n'est pas des enfants de 10 ans, évidemment, c'est des enfants jeunes adultes, souvent, qui vont voir leur vieille maman qui ne leur donne plus d'argent et qui lui distribue des coups dans la figure ou ailleurs, pour qu'elle leur donne de l'argent. Donc ça relève des violences domestiques, puisqu'on le fait parce que c'est son parent, parce que c'est sa mère ou son père.
Voilà, alors, le problème de ces violences domestiques, c'est qu'elles sont dans l'espace privé et que par conséquent, elles ne sont pas tellement repérables. Elles sont très difficiles à mesurer. Et donc, elles constituent ce fameux chiffre noir des statistiques de la délinquance. Quand on pense violence domestique, on pense pas délinquance. Et pourtant, ceux qui commettent ces violences peuvent les commettre de façon très, très réitérée et régulière, et juridiquement constituent des délinquants récidivistes. Mais bon, on le voit mal, on a du mal à le mesurer, et c'est ce qu'on appelle une boîte noire en sociologie, c'est-à-dire quelque chose qu'on a du mal à connaître parce que ça ne se met pas en scène. Et parce que, entre autres, parce que les victimes elles-mêmes ne portent pas plainte, et parce qu'elles hésitent. Et on verra pourquoi. Ça, je l'ai déjà dit, donc ce sont parmi les violences les plus répandues. Et de plus, elles existent dans dans tous les milieux sociaux. Parce qu'on pourrait croire que c'est dans les milieux populaires où on est endurci par le travail, où il y a beaucoup d'alcoolisation, ou enfin toutes sortes de raisons, où la pauvreté peut induire des situations de panique qui font qu'on a des conflits, qui font qu'on a des violences en commun. Mais en réalité, non, ça existe aussi dans tous les milieux, y compris les milieux des classes moyennes ou des classes supérieures. Et dans toutes les classes d'âge, c'est-à-dire que il y a des jeunes couples où des violences ont lieu, de la même manière qu'il y a parfois des personnes âgées qui commettent des violences sur leurs conjoints. Alors vous avez compris que dans la plupart des cas, tout de même, pour ne pas dire la totalité, c'est 80-90% des cas, ce sont des hommes qui tapent plutôt sur des femmes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a parfois des femmes qui sont violentes sur les hommes, ça arrive, mais il y a aussi des femmes qui sont violentes sur les enfants, etc. Hein, ou des jeunes femmes sur leur vieux père. Bon. Les femmes peuvent être violentes, ce n'est pas pour les critiquer, au contraire. Les féministes aiment bien rappeler que le fait que les femmes soient considérées comme douces et les hommes violents, ce sont des clichés, et que les femmes ont droit, d'une certaine manière, à une certaine violence, légale ou illégale. Alors, qu'est-ce qui explique l'apparition de ces violences? Quel est le contexte, hein? Je dis, c'est pas des facteurs. Hein? On enlève l'autre jour, j'ai trouvé dans un projet de mémoire le facteur de contexte, ou contexte de facteur. Non, c'est contexte ou facteur. Mais les facteurs, ce serait une série de causes précises qu'on analyserait. Ici, ce n'est pas une série de causes, c'est un contexte qui favorise, un terrain favorable. Et qui peut avoir différentes dimensions. Donc, il y a une pluralité d'éléments qui peuvent venir en ligne de compte et constituer ce contexte. Évidemment, la domination masculine. Le fait que les hommes estiment, c'est pas les hommes en tant qu'individus, c'est tout le principe du patriarcat, estime avoir une position dominante dans la sphère privée, dans l'espace domestique, et devoir la faire respecter d'une manière ou d'une autre. Et que, d'une certaine manière, la violence est une expression la plus brute, si j'ose dire. Est la plus évidente et la plus spontanée de la domination. Mais évidemment, il y a aussi souvent il y a des dominations masculines qui s'exercent parfaitement sans violence du tout. Et il y a des violences qui ne sont pas forcément, qui ne se résument sûrement pas à la domination masculine. Il y a des crises et des conflits de couple, souvent. Il peut y avoir des situations de faiblesse psychologique, de la part de la victime. Qui se réfugie dans une attitude de déni, de retrait, etc., et qui agace l'autre et qui cherche à la dynamiser, et qui exploite cette faiblesse psychologique. Mais ça peut être aussi une faiblesse psychologique de l'agresseur. C'est-à-dire que l'agresseur
peut très bien, par exemple, avoir subi toutes sortes d'agressions, pas forcément physiques, mais symboliques, dans son milieu professionnel, et être complètement démuni par rapport à ça, et toute l'agressivité qu'il a accumulée et qu'il n'a pas pu rendre parce qu'il était en position dominée dans son travail, eh bien, elle ressort quand il se retrouve en position dominante, c'est-à-dire dans sa famille. Et puis, bien sûr, il y a des problèmes d'alcool et de drogue, hein, qui jouent un rôle considérable, qui est souvent nié, mais qui est tout à fait présent. Il y avait dans la revue, enfin le mensuel qui s'appelle Le Mensuel de Rennes, ils ont raconté une histoire, un dossier sur une situation de féminicide d'une femme qui est morte sous les coups de son conjoint à 40-45 ans. Et ce conjoint, elle est retournée le voir après avoir subi des coups à plusieurs reprises. Elle retournait le voir à chaque fois, alors que ses proches étaient évidemment lui demandaient de ne pas retourner, ses proches, la police, et tout, les assistants sociaux, mais elle y retournait à chaque fois et ça, elle en est morte puisqu'il a fini par l'agresser. Mais d'après ce que tout le monde disait, elle la première, il était tout à fait charmant quand il n'était pas et sympathique, etc., quand il n'était pas sous l'emprise de l'alcool. Et le problème, c'est qu'il devenait de plus en plus souvent sous l'emprise très forte de l'alcool, donc un alcoolisme très permanent et très fort. Et donc, c'est ça qui induit, ce qui, je le répète, n'est absolument pas une excuse, hein, mais ce qui est un élément qui entre en ligne de compte, et si on veut comprendre ce contexte d'apparition qui combine tous ces éléments dans la plupart des cas. Alors, comme je vous l'ai déjà indiqué, les victimes sont ambiguës. Alors, j'ai mis ce terme qui peut paraître péjoratif, mais il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est une attitude qui se comprend. C'est-à-dire que les victimes, qui sont souvent des femmes, ne veulent pas rompre la relation avec leur mari ou leur conjoint qui les frappe. À la fois parce qu'elles conservent des sentiments positifs aussi, elles sont amoureuses, autrement dit, aussi aberrant que ça puisse paraître, parce que l'homme peut être sympathique ou enfin, avoir des qualités par ailleurs, aussi parce qu'elles n'ont pas forcément envie de se retrouver toutes seules à la rue, aussi pour garder, pour protéger leurs enfants, disons, garder une présence par rapport aux enfants. Souvent, les femmes prennent des coups à la place des enfants. Et elles préfèrent que ce soit elles qui les prennent plutôt que les enfants. Voilà, enfin, il y a toutes sortes de raisons. Alors, on dira, oui, c'est parce que les femmes battues sont pas suffisamment bien accueillies au commissariat de police ou que la justice ne donne pas suite. Alors, c'est pas tout à fait vrai, ça l'a été. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ça va crescendo depuis les années 2000, une vraie prise de conscience des pouvoirs publics par rapport aux violences conjugales, qui est pas suffisante, on sera d'accord, mais qui est, où il y a une multiplication, je vais y revenir, des réponses. En revanche, l'un des problèmes, c'est que les femmes, même quand elles portent plainte, et qu'elles voient que leur mari risque des sanctions plus ou moins graves, eh bien, se rabibochent avec eux, retirent leur plainte, refusent de témoigner, souvent, alors évidemment, parce que leur mari n'ont pas les menaces, mais cherchent à les charmer, tant qu'ils sont sous le coup d'un risque de sanctions, vont devenir des petits anges, et puis peuvent redevenir après des gros diables. Mais il y a un jeu, alors qui peut-être lié à de la perversité, enfin toutes sortes de choses, ou de la perversion, je ne sais pas. Et je n'en ferai pas l'analyse psychologique. Mais c'est une réalité que les femmes hésitent à porter plainte et que quand elles portent plainte, parfois, elles les retirent. Et même assez souvent, malheureusement. Et donc, ce qui donne lieu à la situation que je viens de vous évoquer et qui fait que ça se termine très très mal pour certaines d'entre elles. Alors, s'agissant de la réponse institutionnelle
à ce type de violence. Et je m'y arrête parce que, en la matière, et les choses évoluent et c'est très intéressant que de les observer. Et on n'a pas assez de travaux sociologiques d'ailleurs sur la question, et malheureusement. Eh bien, le premier problème auquel on a été confronté pendant très longtemps, c'est la difficulté de la considérer les problèmes familiaux comme relevant de l'ordre public, puisque l'ordre public, c'est, on le présume, dans l'espace public. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque, évidemment, à partir du moment où une personne meurt sous les coups de son conjoint, ça devient un problème d'ordre public. Hein, toute mort violente est un problème d'ordre public. Et donc mais la question était de dire, finalement, c'est dans la sphère privée, et pendant très longtemps, cette domination physique des hommes sur les femmes était une manière tout à fait normale, enfin, d'exercer le pouvoir, le patriarcat, hein, le pouvoir paternel et l'ordre matrimonial. Donc, on est sorti de ça dans les années 60-70, n'empêche que pendant cette période-là, quand il y avait des cas de violence, les policiers n'osaient pas entrer, les procureurs hésitaient à transmettre les cas de figure au juge, essayer de régler l'affaire. Enfin, on a toujours essayé de faire en sorte que ça se règle à l'amiable. Non pas forcément pour protéger les hommes, les méchants hommes dominants, mais aussi pour protéger la famille. Et se dire que le fait de garder la famille unie, c'était une priorité, et que la violence était un mal qui pouvait se guérir à l'intérieur de cet espace par le dialogue et une amélioration des relations, évidemment, ou par le divorce. Hein. Et que ça, c'était une affaire privée. Mais évidemment, les choses ont évolué, et l'ambiguïté des victimes, j'en ai déjà parlé, et le fait que, finalement, les femmes protègent leurs enfants, et qu'elles hésitent à divorcer ou à quitter le mari pour ne pas avoir l'impression d'enlever les enfants. C'était le problème. Si elles partaient avec les enfants de la maison, l'homme pouvait porter plainte pour enlèvement d'enfants, et c'est arrivé plus d'une fois. Et la victime se retrouve en situation d'accusé, parce qu'elle ne peut pas prouver forcément qu'elle a été victime de violence. Ensuite de ça, on ne sait pas forcément comment répondre. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit envoyer les gens en procès, les auteurs de ces coups, dans la mesure où on a prouvé. Si c'est le cas, bon, ça peut poser toutes sortes de problèmes, à commencer par la victime, qui n'a pas forcément envie de témoigner, qui n'a pas forcément envie que son ex-conjoint soit mis à la vindicte publique et un casier judiciaire, etc. Donc c'est une vraie question. Je ne dis pas qu'il ne faut pas juger, je dis que c'est une question sociologique qu'il faut poser aux victimes, aux auteurs, aux magistrats et au grand public. Il y a des solutions de médiation qui ont été préconisées à une époque, mais médiation pour essayer de rétablir un peu de paix au sein de la famille, au sein du cercle familial. Mais ces solutions de médiation ont été récusées souvent par les mouvements féministes, qui estiment que si on arrive à un accord pour éviter les violences, ça maintient tout de même les hommes dans leur position dominante. Et donc, la médiation est très contestée de ce point de vue-là. Ça peut être un simple rappel à la loi opéré par la police, par des délégués du procureur ou d'autres acteurs qui viennent menacer en quelque sorte l'agresseur, que s'il récidive, il risque le procès, il risque des sanctions pénales. Mais là encore, ça pose un problème, parce que si la personne est comme celui qu'on vient d'évoquer, il comprend tout à fait, il est tout à fait d'accord, mais il va se suralcooliser pour des raisons diverses et variées et devenir violent sans se contrôler. Et le rappel à la loi sera une occasion manquée de l'avoir neutralisé à temps. Alors si on prononce des sanctions,
par le procès notamment, quelles peuvent être ces sanctions. Là encore, je ne dis pas qu'il ne doit pas y en avoir, je ne dis pas qu'il faut ne pas pratiquer l'incarcération. Et je dis que c'est une vraie question que se pose tout le monde, aussi bien ceux qui sont concernés que les institutions, parce que les sanctions peuvent avoir des effets problématiques. Et donc si c'est la prison, c'est clair que celui qui va en prison, eh bien, est condamné, on peut supposer qu'il va réfléchir à deux fois après, et il sera neutralisé le temps qu'il est en prison. Mais ça peut avoir des conséquences assez dramatiques pour la victime, qui peut ensuite être en conflit avec ses beaux-parents, qui va, par exemple, être privé de revenus. Si son mari ou son conjoint était celui qui travaillait. Donc il y a toutes sortes de raisons qui font que la prison n'est pas forcément une réponse évidente. Évidemment, si c'est un meurtre ou si c'est quelque chose de très grave, ça va de soi. Mais ce que je veux dire, c'est sur des coups réitérés, qui pourrait sûrement donner lieu à des peines de prison. Est-ce qu'il faut le faire? C'est une question. Pas de prison, alors qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Une peine de probation avec des obligations qui sont faites auprès du mari. C'est évidemment la solution qu'on essaie d'utiliser le plus couramment, mais qui n'est pas simple, parce que, là encore, certaines personnes... il n'y a pas de contrainte physique en termes de probation. Donc, certains agresseurs qui sont particulièrement, qui perdent le contrôle ou qui sont particulièrement agressifs, ne respectent pas les règles de la probation qui leur interdit un certain nombre de choses. Est-ce que ça peut être des ordonnances restrictives? C'est-à-dire que l'agresseur n'a pas le droit de s'approcher de la femme, enfin de la personne, de la victime. C'est l'hypothèse qui est le plus creusée actuellement, avec cette interdiction qui serait durable, pas simplement le temps d'une peine de probation, qui serait durable et surtout qui serait bien respectée par le fait que, donc c'est une solution qui a été adoptée récemment et qui est expérimentale et qui a vocation à se développer, le fait d'un bracelet électronique qui ferait que l'agresseur condamné ne peut pas s'approcher de la personne sans que ça sonne une alarme quelque part, et que à ce moment-là on protège la victime et on recherche l'agresseur. Oui, aussi la solution des injonctions thérapeutiques, c'est-à-dire des obligations de soins, notamment quand on a affaire à des situations d'alcoolisation ou de toxicomanie, ou d'une espèce de violence compulsive. Mais là encore, ce sont des solutions qui sont peu pratiquées et qui sont pas sur lesquelles on n'est pas très au point dans les techniques. Donc l'affaire est très compliquée. Il y a alors donc... un point important, c'est qu'auparavant, quand une femme subissait des violences et qu'elle voulait en finir avec sa relation de couple, eh bien, on lui proposait on lui trouvait un petit logement, y compris avec ses enfants. Ce sont des lieux d'hébergement, donc pour femmes battues. Mais c'était pas terrible, d'une part, parce qu'elle se retrouvait avec d'autres femmes comme ça, et ça donnait lieu à des situations pas très heureuses sur le plan psychologique. Et entre victimes, on ne se raconte pas forcément des choses très agréables, donc c'est pas très bon pour la résilience, comme on dit aujourd'hui. Mais aussi parce que l'homme restait dans la toute-puissance, et qu'on d'une certaine manière, c'était une façon de légitimer sa violence, puisqu'on a la femme quittait le domicile, mais lui, il restait le maître des lieux, quoi. Et donc, c'est une solution qui a été critiquée fortement, et dans les années 2000, donc, elle a été inversée, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est sorti de son domicile, y compris si c'est lui qui paye le loyer. Donc, ce qui peut être fortement agaçant pour lui, mais c'est la femme
et surtout, enfin, la victime, c'est une femme, c'est une femme dans 95% des cas, et ses enfants qui restent dans l'appartement familial, et l'homme qui en est exclu. Et que s'il ne trouve pas de logement, s'il ne peut pas se payer un logement, on va trouver des moyens de le faire héberger. Mais il a interdiction de s'approcher de sa femme, et il faut tout de même qu'il trouve le moyen de financer ce logement de sa femme. Et en tout cas, c'est elle qui reste dans le logement, et symboliquement, c'est très important. Et ce sont donc les mesures que prennent les procureurs et les juges depuis les années 2000. Alors le problème, effectivement, lié à cette violence, c'est que, contrairement aux autres formes de violence qui sont souvent circonstancielles, liées à une situation très précise dans un temps réduit, ici on est sur du temps long, sur de la répétition, et sur parfois quelque chose qui va crescendo, c'est-à-dire de simples bousculades au début, et puis comme... la victime n'a pas l'air de réagir d'une manière ou d'une autre. On passe à des coups de plus en plus violents. Et puis après, on pousse dans les escaliers. Et puis après, on passe au coup de couteau, si vous voulez. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à des situations de femmes assassinées par leur conjoint. Et dans la plupart des cas, il y a une montée en puissance préalable. D'où l'importance d'intervenir le plus tôt possible en termes de prévention. Ce qui constitue le véritable enjeu pour les institutions. Et donc je vous dis qu'il est autant, ça paraît légitime, qu'il y ait une intervention publique pour protéger les victimes dans leur espace domestique, autant la nature de cette intervention reste très compliquée à mettre en œuvre, parce que... les femmes, à la fois doivent être protégées, et à la fois doivent consentir à ce que leur mari soit neutralisé. Alors, s'agissant des enfants, la réponse est essentiellement là, c'est quelque chose qu'on sait faire, puisqu'il y a des services de protection de l'enfance qui ne concernent pas que la violence, mais les enfants qui subissent des violences de leurs parents peuvent être placés, etc., par le juge pour enfants. Donc la priorité, c'est la protection de l'enfant. Et puis, s'il y a des conséquences graves, là, il peut y avoir des poursuites pénales. Avec des situations très limites, comme, je ne vais pas vous en développer, mais le bébé secoué, on s'aperçut qu'il y a des gens qui secouent leur bébé parce qu'ils en ont marre que le bébé pleure tout le temps, et que ce fait de secouer ce bébé peut avoir des séquelles très graves. Et donc... les gens sont passés en procès pour avoir secoué leur bébé, mais ils ne savaient pas que cette violence, qu'ils ne considéraient pas ça comme une violence, et ils aimaient leur enfant, et ils ne savaient pas quelles pouvaient être les conséquences. Donc c'est une vraie question. Si j'en parle, c'est parce que pour dire que pénaliser ne va pas de soi. Envoyer les gens devant un tribunal pour les condamner et les sanctions, quelles qu'elles soient, c'est pas quelque chose qu'il faut... Parce qu'actuellement, on est à partir du moment où il y a un crime, un truc qui s'est passé, pouf, forcément, le procès et la sanction vont résoudre tous les problèmes. Or, ça ne résout pas les problèmes, et parfois, ça peut en créer certains. Où en suis-je ? Oui, on peut avancer. J'embraye sur la question maintenant donc des violences sexuelles, des violences sexuelles sur adultes, puisque là encore, pour des raisons qui sont plus institutionnelles et juridiques, ça suppose de distinguer les violences sexuelles sur adultes, puisque les adultes ont une capacité au consentement, ils peuvent dire oui ou non à un acte sexuel, et par conséquent, cette capacité à la décision induit des conséquences juridiques et judiciaires. Et tandis que sur les enfants, et on voit les débats qu'il y a actuellement, l'enfant n'a pas forcément une capacité au consentement, à dire oui ou non, et par rapport à un acte sexuel, et à une certaine vulnérabilité à ce niveau-là. Et donc les textes de loi... font que on distingue
violences sexuelles qui sont, enfin les actes sexuels qui sont commis sur ces enfants. Alors, les infractions elles-mêmes, elles sont multiples. Elles vont de choses tout à fait bénignes et parfois un peu amusantes. Hein, l'exhibitionniste, en réalité, les exhibitionnistes passent très rarement à l'acte, hein, contrairement à ce qu'on croit. Donc, des exhibitionnistes, il y en a toujours eu. Autrefois, on appelait ça des satyres. Donc, ils montrent leurs attributs sexuels, souvent des hommes, évidemment, leurs attributs sexuels dans des endroits un peu cachés, dans des parcs ou que sais-je. Et bon, ce qui donne lieu à des poursuites pénales. Hein. Bon, il y en a aussi qui, dans mes dossiers, là, parce que j'analyse un certain nombre de dossiers, où un certain... hommes qui se mettent nus sur leur balcon alors qu'ils sont en face à une école, donc avec les mères de famille qui viennent. On ne sait pas si c'est pour les destiner aux mères de famille ou aux enfants. Mais en tout cas, tous les jours, à la sortie des écoles, ils sont nus comme un ver sur leur balcon. Et donc, ben, les gens portent plainte. Et le harcèlement sexuel, qui est très important, c'est-à-dire... des caresses, des invitations à la sexualité, voilà, des photos envoyées par SMS ou autre, très déshabillées. Bon, il faut qu'il y ait harcèlement, qu'il y ait répétition, une invitation claire à la sexualité. C'est de plus en plus courant. Et c'est quelque chose qui donne lieu donc à des poursuites pénales. Et après, vous passez à l'agression sexuelle. L'agression sexuelle, c'est un passage à l'acte qui suppose un début, si vous voulez, et de volonté de rapport sexuel, de différents types. Mais ces rapports sexuels, bon, alors, la limite de ce qui est l'agression sexuelle et de ce qui est le viol est toujours une vraie question. Je ne vais pas trop développer, mais c'est une question que se posent les juristes, puisque alors, normalement, d'après les textes, le viol, donc il faut qu'il y ait pénétration. Alors, sachant qu'il n'y a pas toujours pénétration, alors pénétration, ça peut être de différents types. Hein, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails, je vous laisse deviner, mais il n'y a pas toujours pénétration, et surtout, c'est pas toujours facile de prouver cette pénétration. Alors, il y a des actes sexuels, pour prouver la pénétration, il faut un certain nombre d'éléments de preuves physiologiques qu'on n'obtient pas toujours. Donc, il y a pas mal de viols qui sont traités comme des agressions sexuelles, parce que la pénétration n'est pas évidemment évidente à... approuvé. Mais on se dit souvent, oulala, du coup, il y a des violeurs qui passent sous le radar. Non. Certains qui sont jugés pour agression sexuelle ont des peines plus sévères que ceux qui sont jugés pour viol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agression sexuelle est jugée en correctionnel, le viol en cour d'assises. Donc c'est un crime. Et pour donner un ordre d'idée, plus de 50% des procès de cour d'assises sont liés à des viols. Donc c'est une infraction qui est réprimée et qui se retrouve très fréquemment devant les cours d'assises, mais pas suffisamment sans doute, puisque les chiffres indiquent qu'il y a des viols qui ne sont jamais révélés, et une quantité non négligeable. Alors là, je m'attarde sur les logiques entre auteur, victime, pouvoir public ou autre, c'est-à-dire les médias, pour comprendre ce contexte d'interaction et de transaction entre les auteurs. Donc, entre les protagonistes, pardon. Donc, du côté des auteurs, qu'est-ce qu'on a ? On a quelque chose qui est de l'ordre d'une pulsion sexuelle, plus ou moins contrôlée. Mais d'une certaine manière, juridiquement, c'est pas le problème. C'est-à-dire que peu importe que monsieur, parce que ce sont des hommes là encore, à quasi 100%, une pulsion physiologique qui fait qu'ils ont une envie subite d'avoir des rapports sexuels, ils sont priés de le contrôler. Et le fait qu'ils
qu'il le contrôle ou pas n'est pas un enjeu. Et, mais souvent, ce qu'il y a dans les actes, c'est l'idée, hein, c'est l'idée que la personne en face en a envie, mais qu'elle n'ose pas le dire, qu'elle n'ose pas se laisser aller. Et donc, on se sent tout à fait légitime, d'un point de vue moral, et y compris d'un point de vue légal, parfois, d'amener une personne à un acte. Et souvent, les victimes se laissent faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de violence physique, ou de menace physique, ou de... mais on agit dans une persuasion telle qui fait que celui qui subit les actes est sidéré et ne peut pas réagir. Alors il y a aussi les cas de GMBH, d'autres produits qui abolissent la volonté, mais je rentre même pas là-dedans. Et dans la plupart des cas, c'est pas un homme dans un coin de rue qui prend une femme violemment en lui mettant un couteau sous la gorge. Ça arrive, mais c'est la minorité des cas. La majorité des cas, c'est... Alors je parle même pas des viols conjugaux, parce que ça existe, mais c'est illégal, c'est condamné. Mais des situations où ce sont, par exemple, des supérieurs hiérarchiques qui, à un moment donné, peuvent amener leur subalterne à être dans une situation où ils vont avoir un rapport avec elle alors qu'elle ne le souhaite pas. Et donc la question du consentement est toujours complexe à établir. Et surtout que du côté de la victime, elle-même, même si elle n'était pas du tout d'accord, pas du tout consentante, mais elle sait qu'elle s'est plus ou moins laissée faire par crainte ou pour toutes sortes de raisons, eh bien, elle ressent une honte par rapport à ça. Elle se sent partiellement coupable d'avoir accepté. Et donc, ne souhaite pas forcément, traiter ça comme un viol. Hésite à révéler les faits ou à porter plainte. Souvent, la honte ressentie... la honte ressentie, elle l'est parce que on a peur que les faits qu'on a subis rejaillissent négativement sur soi, qu'on passe pour une prostituée ou pour une femme légère que les parents, vos parents ou vos amis ou encore pire votre conjoint trouve cet acte abominable et qu'il ne le supporte pas et qu'il vous mette à l'écart, ce qui évidemment pas le cas dans la plupart des situations, mais c'est une crainte permanente qu'ont les personnes violées, la honte étant un sentiment qui ne se contrôle pas, d'une certaine manière, qui n'est pas très logique, mais qui joue un rôle prépondérant, puisque, du coup, ces victimes hésitent à porter plainte, et hésitent à dénoncer les faits, y compris auprès de leurs proches, et ça rend ce type de délit ou de crime, s'il s'agit de viol, très peu visible. Et ce que je dis vis-à-vis du viol, on voit que je parlais plutôt du viol, mais c'est la même chose pour du harcèlement sexuel. Hein. Les situations de harcèlement sexuel, où il n'y a pas de viol, mais qui sont très angoissantes pour les victimes, et les victimes n'osent pas porter plainte en se disant « ça va s'arrêter », alors que ça s'arrête, souvent ça ne s'arrête pas, mais ça les rend extrêmement mal pourtant, elles ont honte aussi, parce qu'elles ont l'impression que ce sont elles qui séduisent. Et, or, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, que ce sont elles qui séduisent, ou qu'on pensera que ce sont elles qui séduisent. Et puis, elles ont peur, parfois, de l'auteur et des conséquences que ça peut avoir sur elles-mêmes et sur leur milieu professionnel, familial, etc. Voilà, je vous propose une pause de 3-4 minutes, et puis... je continuerai sur ces mêmes sujets.
Bon, on va pouvoir s'y remettre si vous voulez bien. Ça permettra de finir plus tôt si besoin. Et alors, pour continuer donc sur la question de la délinquance sexuelle et des violences sexuelles, on peut dire que, sur les adultes en tout cas, qu'on assiste à une augmentation des chiffres en la matière, hein, et depuis une quarantaine d'années, et même si le nombre de viols semble plafonner depuis 5-6 ans. Par contre, ils sont traités plus facilement en termes d'agression sexuelle. Donc c'est lié au fait que les femmes, ou les victimes en tout cas, révèlent les faits de plus en plus facilement, qu'elles déposent plainte, qu'elles y sont incitées par leur entourage, et qu'il y a une honte de moins plus en plus réduite, voire combattue au niveau du grand public qui considère vraiment les victimes comme des victimes, et pas les soupçonner de toutes sortes de turpitudes. Mais il semblerait, d'après les instruments de mesure qu'on a en termes d'études de victimation notamment, que le nombre reste bien inférieur à la réalité, que par exemple il y a un nombre important de viols conjugaux qui ne sont pas traités, puisque vous savez que depuis les années 1980, le viol conjugal a été rendu illégal, criminalisé. Donc les femmes peuvent porter plainte, mais c'est bien sûr porter plainte contre son propre conjoint parce qu'il vous a violé, en tout cas il vous a imposé des rapports sexuels non consentis. C'est quand même assez compliqué. Et là-dessus, on a évidemment une immense difficulté de mesurer la réalité des faits. Alors, le grand public, est assez ambigu par rapport à ces questions de viol, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il reste une partie de la population qui sous-estime la gravité des faits. Soupçonnent les femmes d'être plus ou moins consentantes et de porter plainte pour arranger leurs affaires plus tard, hein, par rapport à des rapports sexuels qu'elles ont eus et dont elles ont honte par la suite. Et donc cette question du viol devient un objet de débat public important, et évidemment avec un rôle important joué par les mouvements féministes. Voilà. Et une évolution actuelle qui tend à vraiment considérer qu'on a affaire à un crime grave. Et la réponse politique varie donc en fonction de la fréquence des plaintes. Et donc, depuis un certain temps, et les choses évoluent très fortement. Évidemment, les suites de l'affaire Weinstein avec... MeToo et tout ce qui va avec, et font qu'on a une politique renforcée de protection des victimes, notamment lors du dépôt de plainte, de sévérité vis-à-vis des auteurs, quel que soit leur statut et leur milieu. Parce qu'évidemment, on s'est aperçu avec... on parle de l'affaire Weinstein, mais avant, il y a eu l'affaire... Dreyfus, j'oublie son nom, l'ancien président du FMI français, Dominique Strauss-Kahn, voilà, qui a montré que des hommes aussi importants socialement, juridiquement, institutionnellement que lui, ou que Weinstein après, avaient des comportements de véritables voyous sexuels. Et donc, on n'hésite pas à condamner, y compris des gens qui ont des statuts importants et qui en ont usé et abusé. Il y a la fameuse affaire Tron qui est jugée actuellement de l'ancien maire d'une ville de la région parisienne, Draveil, et qui a abusé de ses collaboratrices pendant très longtemps. C'est actuellement jugé en correctionnel. Voilà, alors autre chapitre proche, celui de la délinquance sexuelle sur les enfants. On en parle beaucoup actuellement. C'est une affaire très compliquée et distincte de celle
sur les adultes pour les raisons que je vous indique. D'abord parce que ce n'est pas les mêmes types d'auteurs et leurs logiques sont assez différentes. C'est une pulsion sexuelle, mais d'un genre particulier, puisqu'elle vise les jeunes. Alors, sans doute faudrait-il distinguer ceux qui aiment les jeunes adolescents de ceux qui aiment vraiment les enfants, et, enfin qui aiment ou qui ont une pulsion sexuelle envers eux. Donc, il y a pas beaucoup de travaux là-dessus. Parce qu'on considère que c'est une telle monstruosité qu'on ne veut même pas savoir ce qu'il y a là derrière. Or, c'est là que ça devient intéressant, c'est quand on regarde ce qu'il y a là derrière et qu'on se dispense des premiers jugements qui disent c'est des affreux jojos pour aller voir ce qui se passe. Donc, les logiques de l'auteur, c'est que d'une part, ils ont une pulsion sexuelle qui peut être valorisée, hein, c'est l'histoire du fameux romancier qui a écrit des romans sur ses actes sexuels sur des jeunes adolescents et qui trouve ça épatant et qui trouve des lecteurs de ses romans ou de ses fictions, de ses livres en tout cas, et qui considère que finalement ces jeunes enfants apprécient ça, qu'ils sont demandeurs de relations sexuelles avec des adultes. Ça a été une croyance très forte pendant très longtemps, dans les années 70. Pour ça, on reproche à Roman Polanski d'avoir couché avec une gamine de 14 ans, alors qu'il en avait, je sais pas, 35 ou 40. On peut lui reprocher, ça c'est très bien, mais c'était quelque chose qui était assez communément admis à l'époque et qui n'était pas forcément réprouvé par la moralité publique. Moyennant quoi, je ne dédouane pas Roman Polanski, mais c'est pour vous dire à quel point les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles apparaissent aujourd'hui. Par contre, sur les plus jeunes enfants, c'est une autre affaire. Et c'est là qu'il faut introduire quand même des différenciations. D'autre part, une chose que je tiens à signaler du point de vue sociologique, c'est que le terme de pédophile ne nous dit rien, sinon qu'on a affaire à des gens qui méritent d'être condamnés, ok. Encore que le terme de pédophile veut dire celui qui aime les enfants. Donc je ne suis pas sûr qu'il les aime, ces enfants, puisqu'ils en abusent. Donc il n'est pas question d'amour là-dedans, juste de désir. Mais, on vous a appris en sociologie à déconstruire les notions du sens commun, hein, et il y a un certain nombre de notions qui aveuglent sur, parce qu'elles sont tellement chargées en valeur qu'elles empêchent de regarder ce qu'il y a comme réalité sociale derrière, eh bien, le terme de pédophile est typiquement celui-là, hein, comme celui de délinquance. Pédophile, c'est une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit, et puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on pense que c'est des monstres, et puis voilà. Or, les choses sont beaucoup, beaucoup plus compliquées que ça, et ça mérite d'étudier, parce qu'on a affaire, là encore, des gens de toutes sortes de milieux sociaux, essentiellement des hommes, mais pas que, et avec des fonctionnements parfois très très différents. Et en n'oubliant pas que la plupart d'entre eux, la plupart des actes statistiquement, enfin c'est-à-dire judiciairement repérés, le sont par des parents. Donc aujourd'hui on nous parle d'inceste suite aux affaires qu'on connaît, donc Olivier Duhamel et compagnie, comme si c'était une découverte. Mais dans les affaires jugées dans le commun des tribunaux, sur les affaires d'abus sexuels sur enfants, on a entre 80 et 90% des auteurs qui sont des parents, et non pas des instituteurs, des curés, des éducateurs ou des inconnus. Ce sont les parents. Ça se passe dans la sphère familiale, hein, dans la chambre à coucher. Donc, alors quand je dis parents, c'est le père, parfois la mère. Alors vous me dites la mère, comment est-ce possible? C'était le cas dans l'affaire Doutreau, hein, où la mère a été complice et participait au jeu sexuel de son mari. Ça peut être aussi les frères et sœurs, faut pas oublier. Et les grands frères, bon, ça peut être aussi bien sûr les beaux-pères, les oncles. Mais on reste souvent dans quelque chose au sein de la famille. Et donc, la nouvelle notion qui recouvre tout ça, c'est la notion d'inceste. Comme l'inceste, c'est tabou et c'est affreux. Là encore, ça nous dissimule la réalité des conditions de possibilité d'une telle transgression.
Alors, c'est ça qui est à étudier pour le sociologue. Voilà. Évidemment, ces affaires sont rarement révélées, de plus en plus souvent, puisque, évidemment, il y a un risque de scandale familial et d'avoir des dégâts collatéraux bien au-delà de la seule victime. Et donc, les victimes elles-mêmes hésitent et parfois refusent de dénoncer les faits, même après, même 10, 20, 30, 40 ans après, parce que c'est toute leur édifice familial et peut-être psychologique qui risque de s'effondrer. Bon, la victime elle-même, le problème, c'est que quand on est un enfant, on n'est pas consentant, on l'a dit, hein, mais on a l'impression que, et c'est particulièrement le cas si la personne qui commet ces actes a une autorité, ce qui est le cas dans l'immense majorité des cas, que ce soit des parents ou que ce soit des enseignants, des curés, etc. Et on a l'impression que c'est soi-même qui est, parce qu'on sent que c'est pas bien, mais c'est soi-même qui a un problème. Et donc on ressent la honte et la culpabilité, et donc on enterre, il y a un déni très fort chez les enfants de la réalité des faits, et donc l'un des traumatismes, c'est le fait que l'on ne peut pas dépasser ce traumatisme, justement. Et que donc l'auteur des faits devient un censeur en plus d'être un agresseur. Alors évidemment, depuis un certain temps, là encore c'est pas nouveau, 2021 avec l'affaire Olivier Duhamel hein, et Camille Kouchner, c'est dans les années 90, on a eu quelques cas graves, alors qu'ils n'étaient pas justement dans la sphère familiale, mais en dehors. L'affaire du trou hein, en Belgique, et puis d'autres affaires où des enseignants, des prêtres ou des inconnus dans le cadre de l'affaire du trou. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'affaire du trou, qui remonte au début des années 90, et en Belgique, et qu'on a peut-être oublié aujourd'hui, du trou enlevait des jeunes filles de 15-16 ans pour en abuser sexuellement et les tuer ensuite. Enfin, sont épouvantables, je n'en parle même pas. Et puis bien sûr, il y a l'affaire Fourniret, hein, qui lui, c'était des jeunes filles de moins de 10 ans, peut-être des garçons aussi, on ne sait pas très bien, mais surtout des jeunes filles, qu'il violait et qu'il tuait avant de les enterrer. Et c'est là aussi. Donc ce sont des cas extrêmes qui ont déclenché toute une. Des campagnes d'information, des campagnes de prévention, toutes sortes de choses qui font qu'on s'est focalisé sur les abus sexuels sur les enfants, en pensant que c'était en dehors de la famille, et en jetant l'opprobre donc sur des pédophiles épouvantables, des monstres, en ayant l'impression que tous les pédophiles, c'était des fourniraient, quoi. Alors que ce sont souvent des braves pères de famille par ailleurs. Qui commettent ces actes complètement idiots et malsains, mais que personne ne soupçonnerait. Ce ne sont pas des monstres, voilà, ce sont, même si enfin, la situation peut être considérée comme, l'acte peut être considéré comme monstrueux, le terme de monstre obscurcit les réalités sociales qui sont derrière. Donc, en tout cas, il y a de plus en plus de révélations de faits. Et puis, donc, eh bien, l'histoire de l'inceste autour de l'affaire Kouchner-Duhamel, eh bien, ouvre une nouvelle perspective, puisque ça revient dans le débat public. Et donc, on a vu que le ministre de la Justice se sent obligé de proposer des solutions par rapport à ça. Parce que le public est très très remonté contre les pédophiles, comme je vous l'ai dit. Et donc le moindre acte qui ressemble à la pédophilie, y compris regarder des photos, ce qui quand même pas. Enfin, alors le problème, c'est que le dommage, il est indirect, parce que s'il y a des photos qui ont été prises, ça veut dire qu'il y en a certains qui ont pris des photos et qui les vendent. Et donc c'est du recel, si vous voulez, d'actes d'abus sexuels. Mais ce n'est pas un abus sexuel direct. Mais il n'empêche que tous ceux qui regardent des photos d'enfants nus ou en acte sexuel, eh bien, sont très violemment réprimés. Ou des films, enfin bon,
pornographique, pédopornographique, comme on dit. Donc il y a une vraie demande de sanctions de la part du public, sauf que, évidemment, les choses changent de nature quand les auteurs sont des parents. Puisque là, on ne sait pas très bien comment statuer par rapport à des parents, puisqu'ils ont cette double situation. Alors, dans le cas de Duhamel, c'est moins le cas, puisque c'était un beau-père. Mais quand il s'agit, c'est souvent le cas de véritables parents, la situation est très embarrassante, puisque la sanction pénale peut avoir des conséquences graves sur la famille. Si on met en prison un homme qui était la principale source de revenus pour sa famille, et que donc la famille se trouve obligée, parce que le père est en prison, de déménager, qui n'a plus de revenus et qui est dans une grande difficulté, et que la grande sœur devait faire des longues études, eh bien, est obligée d'y renoncer. Eh bien, elle n'est pas forcément contente avec son petit frère qui a dénoncé le père. Et elle va le lui reprocher, parce qu'il n'est pas bien, tout ce qu'on voudra. Mais ce que je veux dire, c'est que, en prenant cet exemple, c'est que il faut penser, par rapport à ça, à toute la situation familiale. Envoyer des gens en prison, ça a des conséquences, pas que sur celui qui va en prison. Voilà, mais... alors, vous voyez, j'ai écrit... il y a un renforcement des sanctions, mais cela pose un problème si l'auteur appartient à la famille. Et donc, j'ai écrit ça bien avant que l'affaire Kouchner... Duhamel arrive, et parce que je savais très bien que cette question-là allait sortir tôt ou tard. Et donc on nous sort, par exemple, la question de l'imprescriptibilité, c'est-à-dire que même si les faits sont révélés 30, 40 ans après, il faut pouvoir tout de même condamner. Alors moi, ce que je pose comme question, je ne suis pas pour ou contre l'imprescriptibilité, mais en tant que sociologue, je pose la question, quel est le sens d'un procès pénal et d'une condamnation pénale 30 ou 40 ans après? Est-ce que ça va réparer les victimes? Est-ce que ça va dissuader les auteurs, les futurs auteurs? Et rien n'est moins sûr. Et qui plus est, en plus, envoyer quelqu'un en prison à l'âge de 60 ans pendant 10 ans, c'est pas la même chose que quand il a 20 ans. Et donc voilà, c'est très compliqué, cette affaire, je n'ai pas d'opinion là-dessus, mais là encore, il faudrait avoir un vrai débat, qui ne soit pas simplement un débat sur le thème « c'est affreux, c'est des monstres, il faut les condamner », parce que ça, c'est de l'idéologie de bon aloi, très moralement correcte, mais... les choses, quand on regarde les réalités de près, elles sont plus compliquées que ça. Et c'est ce que le sociologue essaye de faire en général, sans jamais excuser ni les auteurs, ni condamner les victimes. Alors voilà, j'enchaîne sur quelque chose de complètement différent, mais dont il me paraît très important de vous parler, parce que c'est une forme de délinquance qui n'apparaît pas comme centrale dans le panorama, si vous voulez, de la justice pénale, qui est faite de petits délinquants, petits et signifiants, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, c'est parce que leur délinquance est petite ou si c'est parce qu'ils sont en bas de l'échelle sociale. Et enfin, de délinquance, de vol de petites quantités ou de violence, et que tout ce qui est viol et crime, on ne pense pas forcément délinquance. On pense crime ponctuel. Mais tout ce qui est délinquance en col blanc, c'est-à-dire des élites, alors c'est très compliqué à définir, on va y venir, on en parle très peu. Or, c'est une des formes de criminalité peut-être les plus importantes par rapport à la criminalité sur les biens. C'est-à-dire que on met des gens en prison parce qu'ils ont volé... un scooter qui vaut 3000 euros. Il y a certaines personnes qui ont détourné des millions d'euros à leur profit ou au profit de leurs amis et qui ne vont
jamais en prison. Donc voilà, les questions d'équité et d'égalité sociale se posent clairement avec la question de la délinquance en col blanc, sur lequel il faut s'arrêter un petit peu, parce que la sociologie s'y est arrêtée depuis le début, puisque les premiers travaux, hein, ceux de Sutherland, Edwin Sutherland, dont je vous ai parlé dans les années 30, ces premiers travaux ont porté précisément sur la délinquance en col blanc, et sur lequel il avait mené une enquête très complète à l'époque, dans les années 30, aux États-Unis, et à tel point que son livre, quand il a été publié, a été censuré. Alors, élément de définition, bien sûr, comme toujours, qu'est-ce qu'on appelle la délinquance en col blanc? Alors, ça vient de l'anglais ou de l'américain, « white collar crime », et cette notion est introduite, inventée par Sutherland, justement, et qu'on pourrait appeler délinquance des élites des élites aussi bien politiques qu'économiques. Donc, ce sont donc des comportements délinquants, ou je devrais dire même plutôt délictuels, c'est-à-dire des transgressions des lois, de la part de personnes qui sont en situation de forte légitimité dans la société et dans un certain nombre d'organisations, que ce soit des organisations économiques, donc des entreprises et des grandes entreprises. Vous connaissez peut-être pas cette histoire, mais l'un des anciens présidents, directeurs généraux de Total, qui est une des plus grandes entreprises, enfin c'est Elf, pardon, une des plus grandes entreprises de France, entreprise pétrolière, donc avait été fait l'objet d'une enquête et pour détournement de fonds et incarcéré pendant plusieurs mois, Loïc Le Floch Prigent. Dans les années 90, hein, où la dénonciation de ces faits et leur jugement a commencé à se développer réellement. Donc, d'organisations économiques, donc d'entreprises, parfois très grandes, et d'organisations publiques, c'est-à-dire de l'administration et du monde politique, c'est-à-dire de gens qui sont en position de ministre dans le gouvernement. Mais je dis administration parce que c'est le gouvernement et leurs administrations. Il s'agit aussi de hauts fonctionnaires. Et ça peut être aussi au sein des collectivités locales, hein. Je vous renvoie à l'affaire Balkany, enfin aux affaires Balkany, parce qu'ils ils sont récidivistes, hein, qui ont détourné de l'argent, qui ont fraudé le fisc, etc., et qui sont multimillionnaires, mais au détriment des contribuables, et qui ont été jugés à plusieurs reprises, condamnés, et en plus réélus par ceux qu'ils avaient escroqués, si j'ose dire, c'est-à-dire les contribuables de la bonne ville de Levallois-Perret, qui est une ville très bourgeoise. Voilà, donc quelques exemples, hein. Alors, de quel type de délit, à quel type de délit a-t-on affaire? Le problème, c'est que c'est très compliqué, à la fois sur le plan de la nature de ces détournements d'argent, c'est-à-dire qu'ils sont perdus dans une comptabilité extrêmement complexe, d'autre part, sur le plan juridique, parce que la nature exacte de l'acte dans son illégalité n'est pas facile à établir. Alors le plus facile, c'est la fraude fiscale, hein. Ça, bon, vous gagnez de l'argent et vous le dissimulez au fisc et vous le planquez en Suisse, donc, enfin en Suisse ou en Luxembourg ou Bahamas, c'est la fraude fiscale et ça, l'État va aller vous chercher, vous tirer les oreilles et vous demander de payer les impôts plus une amende assez lourde. Et si vous êtes récidiviste, il va peut-être demander au procureur de requérir des peines de prison. De la comptabilité qui a été truquée, donc les fameuses fausses factures, par exemple, typiquement. De la corruption, qui consiste à payer un élu local pour qu'il accepte de délivrer un permis de construire, typiquement. De la banqueroute frauduleuse, c'est-à-dire vous créez une entreprise
vous achetez un certain nombre de choses, etc. Et puis vous vous mettez en banqueroute, mais vous gardez un certain nombre de ce que vous avez acheté, et vous ne pouvez comme vous n'avez pas fini de payer les fournisseurs, eh bien ils se trouvent lésés. Et des investissements illégaux, des abus de biens sociaux. Alors c'est quoi l'abus de biens sociaux ? Eh bien c'est le fait de détourner de l'argent de l'entreprise, tout simplement. Hein. Certains dirigeants se font refaire leur maison, retaper leur maison intégralement, installer l'alarme et la piscine, comme si c'était des frais de leur entreprise. Donc c'est l'entreprise qui paye pour des choses qui sont... Donc c'est du détournement de l'argent et de leur... actionnaires, d'une certaine manière, parce que ce sont eux les propriétaires. Et donc, c'est de l'abus de biens sociaux. Sauf que c'est pas toujours facile à montrer. Et puis, il y a des dimensions de criminalité environnementale qui sont... Donc, on oublie souvent, mais qui sont très importantes. Hein, donc, il y a des entreprises qui déversent des produits dans la rivière ou qui lâche des choses dans l'air alors que c'est totalement illégal et qui a des effets absolument épouvantables qu'on peut imaginer sur l'environnement, et tout ça fait l'objet donc de textes de loi qui les rendent illégaux et qui sont pénalement condamnables, donc qui peut donner lieu à des peines, y compris des peines de prison. Mais souvent, hein, pour la délinquance en col blanc, on a affaire, on y reviendra, à des peines qui sont des peines d'amende. Mais d'amende très lourde, hein, on parle en centaines de milliers d'euros. Sachant que les auteurs qui sont ces personnes, avant de savoir quelles sont leurs logiques, savoir qui sont-ils. Alors ça peut être à titre individuel, ça peut être un ensemble de personnes. Aussi bien plusieurs qui commettent les actes avec une complicité qui profitent du crime, ou certains qui ferment les yeux et puis on leur donne une promotion ou quoi que ce soit pour qu'ils ferment les yeux. Parce que par exemple, typiquement, les comptables, s'ils s'aperçoivent de la supercherie, ils devraient la révéler. Et s'ils ne la révèlent pas, c'est qu'ils sont, ils vont être également responsables. C'est ce qui est arrivé. Alors, c'est une vieille affaire dans les années 90, l'affaire Enron, où une grande entreprise, une immense entreprise américaine, a fait faillite à cause de ça, parce qu'elle avait une comptabilité frauduleuse. Et le cabinet comptable, qui était le plus grand cabinet comptable du monde, Anderson, a dû mettre les clés sous la porte parce que... parce qu'ils étaient condamnés extrêmement lourdement, parce qu'aux États-Unis, on ne rigole pas avec ça, hein, extrêmement lourdement, pour avoir fermé les yeux, tout simplement, sur cette comptabilité frauduleuse. Voilà, donc, ça peut être un ensemble de personnes au sein d'une entreprise, ou au sein d'un ministère, ou d'une municipalité, etc. Et dans l'affaire Balkany, il n'y a pas que les Balkany qui sont en cause, probablement, mais ce sont deux gens qui sont des complices plus ou moins complaisants. Puis ça peut être l'organisation tout entière. Et c'est-à-dire que tout le monde était d'accord dans l'entreprise. Et donc depuis, là encore, les années 80-90, a été créée la possibilité de condamner pénalement, donc d'avoir un procès pénal et une condamnation, des personnes morales. En droit, les personnes morales, c'est quoi ? Ce sont grosso modo les entreprises. Et donc, l'entreprise elle-même peut être jugée et condamnée. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas, au sein de l'entreprise, qui a fait quoi, qui a pris quelle décision. C'est tout le monde. Pas les salariés de base, mais les cadres, certainement, sont plusieurs. Ça peut être les ingénieurs, les dirigeants, etc. Donc c'est l'entreprise qui va être condamnée. Alors vous me direz, on ne peut pas mettre une entreprise en prison. Donc effectivement, il n'y a pas de peine de prison prévue, ce sont essentiellement des peines d'amende. Mais qui peuvent être des peines d'amende extrêmement lourdes. Et je pense que les actionnaires, quand ils voient dans leur comptabilité qu'ils ont dû payer 2 millions d'euros d'amende, interviennent un peu auprès des dirigeants pour leur demander des comptes.
y compris les virer au besoin. Voilà, mais le problème est de trouver effectivement l'auteur, et c'est à ça que s'emploient les magistrats, souvent, et ils ont une lourde tâche en la matière, parce qu'établir les responsabilités là-dedans, avec des comptabilités extrêmement complexes, avec des systèmes de décision extrêmement complexes, avec des centaines de mails qui circulent, etc., c'est très très compliqué, ça donne des dossiers de milliers de pages, et qui aboutissent parfois à des non-lieux. Donc le problème de la délinquance en col blanc, c'est qu'elle a une capacité à se dissimuler, enfin, à dissimuler ses actes, alors qu'ils sont parfois très graves, et qui est très très forte, puisque ce sont des gens qui ont des qualifications et qui agissent illégalement en sachant qu'ils peuvent se protéger. Et en plus, ils peuvent se payer des avocats très très chers, hein, pour défendre leur dossier et le faire traîner au besoin. Autre difficulté et particularité de la délinquance en col blanc, c'est qu'il n'y a pas de victime directe. Et que le préjudice n'est pas évident ou direct. Et donc les victimes ne se plaignent pas. Alors c'est particulièrement le cas sur la fraude fiscale, où la victime c'est l'État, c'est les contribuables. Et donc là encore, on va considérer que c'est l'État, donc c'est les services de... du ministère de l'économie qui va aller chercher l'argent qui a été détourné. Mais quand on a affaire à une banqueroute frauduleuse, là, il y a des victimes parce que ce sont des fournisseurs. Mais quand on a des abus de biens sociaux, les victimes, ce sont les actionnaires, mais ils ne s'en rendent pas forcément compte. Bon, ils sont peut-être un peu complices. Quand on a affaire à la pollution criminelle, l'environnement est la victime. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de donner la personnalité juridique à certains environnements, aujourd'hui, à certains territoires. Ce n'est pas forcément des personnes, titre personnel, qui en sont directement des victimes. Etc. La corruption, typiquement, les affaires de corruption extrêmement complexes, comme celle de Balladur, qui date des années 90, qui a été jugée récemment. Balladur, on n'a pas encore les résultats, mais le procureur a requis des peines assez lourdes vis-à-vis de Balladur, parce que c'est une affaire extrêmement complexe de corruption par rapport à la vente de frégates au Pakistan, de retour d'argent, etc. Enfin, de rétro-commission, comme on les appelle. C'est un micmac extrêmement complexe. Là encore, il n'y a pas de victime directe. Sur les affaires de corruption, personne n'est victime. Sauf le contribuable, puisque, évidemment, et encore, puisque si une grande surface s'installe en même donnant un pot de vin à la mairie, et pour pouvoir s'installer, avoir le permis de s'installer, le permis de construire, etc., personne n'est vraiment lésé, ni les clients de la grande surface, ni les contribuables directement, puisque ce n'est pas pris sur le budget de la commune. Mais n'empêche que ce sont surtout les concurrents qui sont lésés. Mais en même temps, c'est totalement illégal. La corruption, c'est la démocratie, ça veut dire, qui est lésée. Et là, en la matière, donc, ça n'est pas facile de repérer, d'identifier les transgressions, parce qu'il n'y a pas de victime, personne ne porte plainte. Voilà, donc la question des victimes est très problématique pour la délinquance en col blanc. Qui plus est, le grand public, finalement, quand on leur dit toutes les sommes qui sont détournées sont effarées, mais ils ne considèrent pas forcément qu'il s'agit d'une délinquance très importante, parce qu'il n'y a pas de victime. C'est-à-dire que par rapport aux abus sexuels sur enfants, ou par rapport aux agressions qui peuvent avoir lieu dans la rue, ou par rapport à des cambriolages qui ont lieu chez eux et qui sont traumatisants et qui les atteignent directement, le fait de savoir si le PDG de Total a détourné de l'argent, opérer de la corruption sur des dirigeants africains, etc.,
tout ça est anecdotique, enfin apparaît, ça fait un feuilleton intéressant, mais on n'estime pas forcément que ces gens-là doivent être hyper sévèrement punis, justement parce que ça n'apparaît pas comme un désordre public majeur, ça n'apparaît pas comme une menace sur soi importante, sur soi en tant qu'individu ou en tant que membre de la société, mais aussi en tant que une menace sur la société tout entière, hein, alors que ça peut en être une, bien évident. Donc, voilà, alors que l'objet du délit peut constituer des montants absolument énormes, un million d'euros, le public ne s'indigne pas de savoir que M. Balkany n'a pas été condamné à 5 ans de prison. Et même a parfois tendance à s'indigner qu'on embête ce pauvre M. Balkany, qui est un vieux monsieur bien gentil, et qu'il a fait de mal, il ne ferait pas de mal à une mouche. Il a détourné de l'argent, finalement. Ça fait partie du jeu. Alors, tout le monde ne pense pas ça, mais enfin, les citoyens, les habitants de Levallois-Perret semblent le penser, puisqu'ils ont réélu monsieur et madame Balkany après qu'ils avaient détourné de l'argent, ça remonte à déjà il y a 20 ans, ils avaient détourné de l'argent de la municipalité, des contribuables, en payant le jardinier et les femmes de ménage pour leur propre logement, sur les deniers de la commune. Donc, type de détournement d'argent public typique. Mais ils ont été condamnés à l'inéligibilité. Et puis après, quand ils sont redevenus éligibles, eh bien, les habitants de Levallois, je ne sais pas comment on dit, eh bien, les ont réélus. Voilà. Alors, sur ces questions, donc, de criminalité en col blanc, qu'on ne peut pas ne pas évoquer en sociologie, puisque, évidemment, ça renvoie à la question des inégalités sociales face à la loi, et la question des classes sociales, de la structure sociale, et du rapport de ces classes sociales à la loi et à la justice, eh bien, si ça vous intéresse d'approfondir, je vous renvoie à cette ouvrage très complet de Pierre Lascoum et de Karl Hanegens, Sociologie des élites délinquantes, de la criminalité en col blanc à la corruption politique, publié chez Armand Collin en 2014. Vous n'êtes pas obligé de le lire de A à Z, mais si ça vous intéresse, regardez ce qu'on y trouve. Alors, s'agissant des réponses de l'État, et je vous l'ai dit un petit peu, hein, ça demande des investigations très complexes qui coûtent cher. La brigade financière de la police, les services des douanes ou du fisc, et puis donc des juges d'instruction qui passent beaucoup, beaucoup de temps. Et donc avec une grande difficulté d'établir la réalité du délit, puisque il faut amener les preuves et qu'elles se trouvent au fond d'une comptabilité très complexe et qu'on y a des avocats qui peuvent contester sans arrêt et qui sont grassement payés pour ce faire. Et la difficulté d'établir une responsabilité, donc je vous l'ai dit, de savoir qui finalement a commis l'acte, et des responsabilités souvent extrêmement diluées, et des peines qui restent assez peu sévères en France. Rares sont ceux qui sont allés en prison à cause de ça, il y en a quand même quelques-uns, hein, qui ne sont pas restés très longtemps. Et je dis en France, parce que dans certains pays, ça peut être puni très sévèrement. C'est le cas aux États-Unis, qui est un pays où les inégalités sociales sont très fortes, mais par contre le sens de l'équité par rapport à la loi est également très fort. Et les patrons véreux, ou autres hommes d'affaires véreux, sont condamnés très sévèrement. On verra ce que Donald Trump subira comme assaut judiciaire, non pas sur la question politique, mais sur des questions de ces banqueroutes en tout genre, de ces sociétés grandes, etc. Mais
pour donner une idée, dans une affaire célèbre, après le 2008 et l'effondrement de la bourse, un des plus célèbres boursiers de New York, il s'appelait Madoff, dont j'oublie le prénom, et qui avait monté des investissements dans tous les sens auprès de clients assez riches d'ailleurs, qui déposaient des millions d'euros auprès de lui, et donc il a placé des milliards d'euros, mais selon un système totalement illégal de cavalerie qui s'appelle la pyramide de Ponzi, hein, que vous connaissez peut-être, et qui donc, quand la crise est arrivée, ne pouvait plus rembourser personne. Et donc M. Madoff, qui était aussi célèbre que Donald Trump à l'époque, dans les milieux d'affaires new-yorkais et américains, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc on ne rigole pas aux États-Unis avec l'argent. Alors qu'en France, bon, on est moins regardant et ça fait moins longtemps qu'on s'y intéresse. Donc les peines restent des peines. Vous voyez, les Balkany s'en sortent pas trop mal, etc. Bon. Et il n'y a pas lieu de dissuader tellement. On n'a pas des peines dissuasives, autrement dire. C'est ça qui est en cause. C'est beaucoup plus dissuasif pour les petits délinquants de rue. Même si petit délinquant ne veut rien dire. Bon, et puis en plus, donc, il y a une capacité de défense des entreprises, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, quand même, donc, ce qui est intéressant en France, c'est que il y a eu une. Alors qu'avant, il y avait une complaisance totale, on fermait les yeux, et il y avait une espèce de complicité des élites politiques, des élites judiciaires et des élites économiques, bien sûr, pour ne pas mettre en difficulté ceux qui sont en position de responsabilité dans l'économie ou dans la politique. Donc les procureurs n'osaient pas donner suite, et même quand les juges ont commencé à enquêter sur des personnes, des hautes personnalités, eh bien, on a tenté de les en dissuader, hein, très clairement. Et que ce soit à droite ou à gauche, d'ailleurs, parce qu'une célèbre affaire, une des premières affaires, l'affaire Urba, concernait le Parti Socialiste, et ce sont les ministres socialistes de l'époque qui ont tenté de faire taire et de menacer le juge d'instruction de l'époque, qui s'appelait Thierry Jean-Pierre. Voilà, donc ce processus s'est enclenché dans les années 80 et 90. Et les années 90 ont été vraiment les années où tout ça a été développé. On a développé les compétences, on a développé les juges, on se sont protégés contre toute menace. Et les procureurs, ensuite, se sont mêlés de l'affaire. Hein. Je vous rappelle une affaire célèbre, là encore, que vous ne connaissez peut-être pas si vous êtes né après les années 90. Mais l'affaire dite du match truqué entre l'Olympique de Marseille et Valenciennes, où le président de l'Olympique de Marseille avait donc soudoyé l'arbitre pour que les résultats aillent dans son sens. Et donc ce président de l'Olympique de Marseille s'appelait Bernard Tapie, homme d'affaires très connu, un peu moins maintenant, mais très très connu à l'époque, et qui en plus était devenu ministre nommé par François Mitterrand, ministre de la ville. Bon, et donc il a été obligé de démissionner, et celui qui organisait les poursuites était un procureur, le procureur de Montgolfier. Voilà. Et donc c'est même les procureurs qu'on soupçonne d'être du côté du manche, c'est-à-dire du politique, eh bien, n'ont pas hésité, à partir des années 90 et des années 2000, à déclencher des affaires de ce type, de délinquance au col blanc, et donc envoyer ces messieurs dames devant le tribunal. Alors tout ça étant appuyé par des enquêtes journalistiques qui permettaient d'éviter que les affaires soient enterrées, et de dénoncer éventuellement les affaires quand elles étaient enterrées. Et les magistrats se sont beaucoup appuyés sur les journalistes. Alors, donc depuis, il y a eu beaucoup de condamnations. Il y a eu des procès aussi qui sont finis sans qu'il y ait de condamnation, malheureusement. Mais c'est partie du jeu judiciaire.
Et il y a des dirigeants de premier plan qui se sont vus poursuivis et condamnés, et comme je vous l'ai dit, parfois à la prison, comme Loïc le Floch Prigent, comme Balkany, même s'il n'y est pas resté très longtemps, comme d'autres. Mais c'est devenu de plus en plus rare parce que finalement, ces condamnations ont eu leur effet et que ces élites ont regardé de près avant de pratiquer tout ça, de commettre des actes illégaux, puisque maintenant ils se rendent compte que ça peut faire l'objet de poursuites. C'est ce que je vous ai dit depuis le début, c'est le théorème de Durkheim, c'est-à-dire que si on ne les poursuit pas, eh bien les gens considèrent que ce n'est pas illégal. Et si ni les auteurs, ni les victimes, ni l'État ne considèrent qu'il y a un crime, même si ce crime est prévu par le code pénal, si personne ne les approuve, eh bien, le crime n'existe pas. Il n'y a de crime qu'à partir du moment où la société le désapprouve. La société, c'est le public, l'État et ceux qui sont impliqués dans le crime, y compris les auteurs eux-mêmes, qui parfois n'ont pas l'impression de commettre un acte illégal quand ils commettent un acte de corruption ou de détournement d'argent. C'est-à-dire que c'est le prolongement d'un certain nombre de droits. Voilà. Et donc, pour terminer, je dirais que ce type de délinquance est devenu quand même une question importante dans le débat public et dans le débat médiatique, même si le soufflet est un peu retombé aujourd'hui. Et il y avait beaucoup de débats là-dessus dans les années 90-2000. Depuis les années 2010, on en entend moins parler, même s'il y a des petites affaires comme les affaires Balkany, et parce qu'il y a d'autres affaires plus graves, du terrorisme et d'autres choses. Et on est plutôt sur les abus sexuels actuellement. Mais c'est toujours, maintenant, ça fait partie du paysage, si vous voulez. Et donc, il y a de nombreux travaux maintenant de sociologie sur la délinquance en col blanc, et qui permettent de voir ça, et c'est un avantage, donc, si les magistrats s'en occupent, et si les condamnations sont prononcées, ça rétablit une certaine équité sociale. Hein, c'est-à-dire que qu'il y ait des riches ou des pauvres, c'est une chose, mais que les riches puissent transgresser et s'enrichir sur cette base, alors que l'on condamne sans vergogne tous ceux qui sont les pauvres, entre guillemets, ceux qui ont des faibles revenus, et qui se trouvent avoir commis des actes illégaux et on les condamne lourdement, il y a quelque chose de l'ordre d'une iniquité républicaine, et c'est ce que les magistrats, notamment les juges, ont voulu dénoncer en s'attaquant à la délinquance en col blanc, un mouvement qui est issu des années 60-70, avec le syndicat de la magistrature notamment, dont c'était un des chevaux de combat, une des choses qu'il voulait rétablir. Donc on n'est pas encore atteint à quelque chose de parfait, mais enfin, et on peut dire que maintenant, la plupart de ces affaires sont poursuivies, sauf en matière de fraude fiscale, où Bercy, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, a un peu le monopole en la matière du redressement fiscal. Voilà, je vous laisse là, on nous reste 10 minutes, mais c'est pas grave, il est tard, et je risquerais de transgresser le couvre-feu. Donc je vous dis à la fois prochaine, normalement c'est la semaine prochaine, et je vous parlerai cette fois-ci plutôt du système pénal, c'est-à-dire de la manière dont les institutions, en particulier la justice, mais aussi la police, répondent, comme on dit, aux transgressions, à la criminalité, mais aussi contribuent à les construire, puisqu'une bonne partie des infractions sont le fait de l'intervention de l'institution plus que des auteurs de ces méfaits, enfin de ceux qui sont condamnés en tout cas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à très bientôt. Et vous pouvez aller sur Cursus voir donc le diaporama que j'ai déjà déposé. Au revoir.